Bonjour et bienvenue à la Bulac. Madame Véronique Dorbe-Larcade, nous sommes ravis d'avoir votre témoignage aujourd'hui. Vous travaillez à l'Université de la Polynésie française et vous êtes l'auteur de l'autre côté du ciel, Aoturu Putaveri, vers 1750-1771, l'envers du voyage de Bougainville à Tahiti, qui va paraître prochainement. Je me présente à mon tour. Je suis Christina Dutertre. Je suis la chargée des collections du domaine Océanie-Pacifique. Ce sont des collections d'à peu près 4 000 ouvrages, à partir du 19e siècle, constitués essentiellement de récits de voyage, de documents des missionnaires, notamment des catéchismes en langue vernaculaire, d'études linguistiques. Et le fonds vraiment a pris son essor à partir de 1944, où ces langues ont été enseignées à l'INALCO, en commençant par la langue Wayuu, ensuite c'était le tahitien, ensuite le dreyu, le ngon, le belep. Et la chaire de Ailu a été vraiment créée en 1977. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Je suis à l'Université de la Polynésie française, membre de l'équipe de recherche ISTCO, et donc je m'intéresse à la période de l'histoire moderne, une période qui, dans cette partie du monde, donc concernant la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, est vraiment un endroit et un moment où l'histoire s'écrit, non pas dans les livres, mais sur la chair même des hommes, pour reprendre une expression de Catherine II au philosophe Diderot, justement à la fin du XVIIIe siècle. Cette année, nous commémorons le 250e anniversaire de l'arrivée de Bougainville à Tahiti. Pourriez-vous nous présenter ce personnage et le contexte politique, économique, scientifique et littéraire dans lequel il entreprend ce grand voyage d'exploration en 1767? Oui, bien sûr, parce que justement, hein, avec Bougainville, l'histoire prend une dimension terriblement humaine. À l'horizon de 1768, on est à l'époque des Lumières. Des Lumières qui ne sont pas sans ombre. On est à une époque où on a la conscience que le monde change. D'une part, on sort d'une guerre terrible, la guerre de 7 ans, qui se termine en 1763 et que les spécialistes considèrent comme la première guerre mondiale, qui a changé les rapports de force, qui a créé entre la Grande-Bretagne et la France une situation de rivalité appelée à durer au début du 19e siècle, hein, une autre guerre de 100 ans. Et donc, il y a du côté de la France un profond désir de revanche. Et en même temps, cet ordre mondial britannique qui s'est imposé, crée une situation de paix qui permet de lancer des opérations, enfin des grands projets scientifiques qui seraient impossibles en temps de guerre. Mais voilà, faire de grands, prestigieux projets scientifiques d'exploration, c'est quelque chose qui demande de l'argent. En France, on manque d'argent. Mais en même temps, le monde est jeune. On est en train de voir une explosion de la population, et puis on sait que le monde n'est plus pareil. On sait qu'on a dépassé ce qui avait, au XVIe siècle, marqué l'élargissement du monde, la terrible conquista qui avait inscrit dans le sang l'emprise des Espagnols sur l'Amérique. On sait que le monde change au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. On sait qu'on a les moyens de voir les choses autrement et il reste un dernier espace de la planète à conquérir, c'est l'étendue de la Grande Mer du Sud.
Voilà, le débat scientifique est à l'ordre du jour. Compte tenu de la manière dont on conçoit l'équilibre du globe, il faut absolument qu'il y ait un continent. Mmh. Voilà, dans cette dernière partie de la planète qui n'est pas cartographiée, pas repérée. D'où, voilà, dans ce moment de possibilité de grandes entreprises scientifiques, l'idée d'aller explorer la dernière partie du monde. Et évidemment, à qui va revenir ce continent austral? Et la compétition entre la Grande-Bretagne et la France, forcément, elle va se jouer là-dessus. Qui sera le premier à ne pas faire la conquista et à faire les choses autrement parce qu'on est à une autre époque. Mmh. Et les différentes facettes de la personnalité de Bougainville, parce qu'il est à la fois un scientifique, un explorateur, militaire, noble, font de lui un personnage qui condense les atouts d'un grand explorateur. Le contexte scientifique de conquête et de rivalité spatiale dont on vient de parler des puissances européennes, la perte de la guerre de 7 ans pour la France, rendait, comme vous dites, le succès en Polynésie très poignant. Quelles conséquences ont-ils pu avoir dans le destin d'Aoturu, le personnage principal de votre livre, et de Tahiti? Voilà, c'est-à-dire que quand on parle du voyage autour du monde de Bougainville, qui l'amène justement dans les parages inconnus de la Polynésie, et puis à Tahiti, on a un point de vue européen. Or, voilà ce qu'il y a de fascinant pour les contemporains du 21e que nous sommes, qui considérons que c'est intéressant de faire parler ce qui ne parle pas, et puis surtout de faire remonter à la surface le refoulé pour être plus proche de la vérité. Voilà, c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'autre. Mmh. Et dans le voyage de Bougainville dans le Pacifique, il ne faut pas oublier qu'il y a eu cette rencontre avec Aoturu, un Tahitien, qui s'est embarqué avec lui et qui est parti vers la France. Et Bougainville était un homme capable de faire cette rencontre, parce que c'était pleinement un homme du XVIIIe siècle, porteur d'une très longue et très vieille culture classique, mais aussi au fait des avancées de la science. C'était un excellent mathématicien, et puis surtout quelqu'un capable de partir vers l'inconnu. Mmh. À cette époque, la réalité du voyage était extrêmement difficile. Les maladies, l'alimentation déficiente, le manque d'eau. S'agissait-il d'une entreprise favorable à la découverte de nouveaux territoires et des nouvelles populations? C'était les conditions idéales? Certainement pas, mais on n'avait pas le choix. Mm-hmm. Y avait cette espèce d'urgence de conquérir le monde, compte tenu du contexte de la fin du XVIIIe siècle. Et de toute façon, je pense que ces conditions de navigation, elles étaient à la mesure de la dureté de la vie à la fin du XVIIIe siècle. Être marin, c'était vraiment très dur, mais être un paysan au fin aussi, fond des campagnes, c'était aussi très dur. Mmh. Et je pense que on avait conscience, quand on était un personnage comme Bougainville, que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Bougainville, c'est quelqu'un qui est un ambitieux. La fin de la guerre de 7 ans brise sa carrière militaire. Mmh. Et puis, c'est quelqu'un qui veut prendre la revanche de la France et partir à la fois à la conquête de son propre destin et puis aussi de nouvelles colonies pour la France. En parlant de l'escale à Tahiti, le 4 avril 1768, la Boudeuse et l'Étoile, c'est les deux navires de l'expédition Bougainville, font escale à Tahiti. À l'approche de l'île, une pirogue vient à leur rencontre. C'est le premier contact et l'entrée en scène de votre héros. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de Aoturu? Oui, évidemment. Mais mon héros, en fait, non, c'est juste quelqu'un qui a beaucoup compté. Enfin, oui. Être un héros ou pas, c'est... C'est une autre question. Oui. Il a été. Et justement, il faut l'imaginer accomplissant un véritable exploit sportif.
parce qu'on voit arriver ces navires inconnus. Ce ne sont pas les premiers navires européens à arriver, mais ils arrivent à un endroit de Tahiti où, enfin, différent de celui où avait abordé le navire de Wallis quelques mois plus tôt. Bougainville, d'ailleurs, ne sait pas du tout que les Britanniques sont passés. Donc, pour les Tahitiens, c'est le retour de quelque chose déjà connu, mais dans un endroit où on n'a pas vu encore ces navires européens, ces grandes pirogues sans balancier. Alors, imaginez la différence de taille entre ces flûtes, hein, enfin, la frégate qui est la boudeuse, puis la flûte qui est l'étoile, qui sont quand même volumineux par rapport à des pirogues qui sont au ras de l'eau. Et évidemment, les pirogues tahitiennes qui arrivent sont très nettement décalées. Et alors les marins français lancent des cordages, évidemment, pour permettre aux pirogues de se rapprocher. Mais pour arriver bord à bord, bah, il faut quand même attraper ces cordages. Et Aotourou, qui est à la tête d'une pirogue, en fait, attrape un gréement et à la seule force de ses bras, parvient à rapprocher la pirogue. Et c'est tout lui. En fait, plus qu'un héros, je pense qu'il est exactement l'incarnation de ce qu'on appelle à Tahiti un aito, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas simplement une force physique, mais une force spirituelle. Et ce premier geste qu'il fait, c'est exactement ce qu'a été toute sa rencontre avec Bougainville. Hein, c'est lui qui, à la force de ses bras, se rapproche. Et donc, rapproche la pirogue et va permettre la rencontre, la première rencontre. Sachant que la boudeuse pouvait transporter 140 marins, on imagine la taille du bateau par rapport à la pirogue. Exactement. Ouais. Et en parlant un peu plus d'Aotourou, un peu l'envers du voyage, pouvez-vous revenir sur les choix qui ont présidé à l'écriture de votre ouvrage centré sur la figure d'Aotourou? Vous en avez déjà parlé un tout petit peu, mais... Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire sur lui? En fait, parce que c'est difficile. Parce que justement, à l'encontre de Bougainville, sur lequel on a beaucoup de sources, enfin, disons qu'on a pas mal d'informations. Là, c'est un peu écrire l'histoire de manques successifs, ou essayer de retrouver la vérité d'un personnage qu'on ne perçoit que par un jeu de miroir. Contrairement à Bougainville, qui est volubile, Aotourou, en fait, on ne conserve que très peu de paroles sûres qu'il ait prononcées. Donc voilà, en tant qu'historienne, c'est un sujet qui est un défi. Et surtout, voilà, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir le point de vue de l'autre. Et... voilà, on présente l'arrivée des Français à Tahiti comme un événement. Mais en fait, ils sont restés que 7 jours. Ils sont restés à peine 10 jours. 10 jours. Et alors on se dit, mais voilà, est-ce que de l'autre côté, ça a été un événement? Voilà. Et je crois que c'est essayer de voir les choses autrement, de changer de perspective. Oui, parce que vous dites faire malgré tout l'histoire d'Aotourou, avec toutes ces difficultés mais à trouver. Que vous avez trouvé pour vous documenter. À quelles difficultés vous êtes confrontée dans ce travail-là de recherche sur le personnage, au niveau des sources, des méthodes? Comment vous avez procédé? Avec la patience d'un travail d'aiguille. De dentelle. Oui, il y a un artiste contemporain à Tahiti qui essaie de coudre les pierres. Et il a intitulé une de ses installations « L'impossible couture du temps ». Et je crois que c'est ça, au fond, dans la démarche qui me guide, c'est que, voilà, il faut retrouver comment le temps a passé. Aotourou, le problème, c'est que moi, je suis une franie. Je ne maîtrise pas non seulement le Réo Tahiti, mais je ne maîtrise pas tout ce qui est le système de valeurs polynésien, qui fait que tout est lié, l'appartenance à une lignée, l'appartenance à une terre, ce qu'on fait, ça a un sens qui, voilà,
qui implique une inclusion à laquelle je ne peux pas prétendre à appartenir. Et ça, c'est un des premiers défis. C'est pour ça que malgré tout, il y a quelque chose d'un peu audacieux de la part de quelqu'un qui vient du côté de l'Europe, d'essayer d'entrer ou de se rapprocher simplement de ce personnage. Donc voilà, on manque de sources, on ne connaît Autourou que par ce qu'en ont dit les Européens. Et voilà, et malgré tout, je crois qu'il est possible d'en faire l'histoire. Oui. Il y a un côté de dignité, de valeur, de vaillance, de courage dans tous ces actes, même s'ils sont réfléchis par d'autres personnes. Exactement. C'est-à-dire que on sait que lorsque le premier voyage de Cook fait escale à Batavia, donc quelques mois après que Bougainville soit passé à Autourou, il y a un des habitants de Batavia qui est allé vers Cook, qui se promenait avec un autre Tahitien, Tupaya, et qui était vêtu comme était vêtu à Autourou, avec une jupe, enfin avec un pareo. Et il lui a demandé des nouvelles d'Autourou. Oui. Et ça veut dire qu'Autourou, on avait déjà remarqué que c'était quelqu'un qui... De spécial. Voilà, qui valait la peine. Oui. Et je crois que ça, c'est un signe fort. C'est un signe fort. Il mérite. Malgré tout ça, il est avec Il lui. Mérite qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'en souvienne. Et le journal de navigation de Bougainville, est-ce que ça a été une importante ressource pour vous, pour votre travail? Mais oui, sachant que là encore, on est dans ce jeu de miroir. Parce que Bougainville a rédigé, comme c'était son devoir d'officier, son journal de bord. Et presque 2 ans après seulement, il a écrit le récit de son voyage autour du monde, qui est le livre de référence, mais qui en fait est une version, je ne vais pas dire fictionnalisée, mais en tout cas une version littéraire du détail de son voyage. Et par exemple, alors que le tour du monde a duré 2 ans, l'escale à Tahiti qui n'a duré que 10 jours, dans cette version littéraire, elle occupe une place centrale. Et Tahiti, c'est vraiment les considérations sur Tahiti, sont dilatées. Et ne serait-ce que par ça, enfin, ça conduit à s'intéresser à Autourou. Autourou voyage avec Bougainville. Et si Bougainville parle tellement de Tahiti, c'est qu'il s'est passé quelque chose. La sensibilité de Bougainville à son arrivée à Tahiti a dû certainement être influencée par Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Oui, c'est un homme d'une grande culture qui arrive. Une culture qui est à la fois une culture classique, quand il voit débarquer une jeune femme dévêtue sur le pont du navire, il pense immédiatement à Vénus. Et il baptise Vénus Aphrodite, et il baptise Tahiti du nom de Nouvelle-Cythère. Mais c'est aussi quelqu'un qui est forcément imprégné par la littérature contemporaine. C'est un homme qui fréquente les salons, qui est versé aussi bien dans les sciences que dans la poésie. Et évidemment, Daniel Defoe a déjà contribué à créer un attrait pour cette grande mer du Sud, puisque Robinson, en fait, est un naufragé du Pacifique. Oui. Et quel est le positionnement de Bougainville par rapport au mythe du bon sauvage? Voilà. Des philosophes. Exactement. Alors justement, c'est toute la difficulté de... Parce qu'elle est confrontée vraiment voilà, exactement, bon sauvage, à la matérialité de la sauvagerie. Entre guillemets. Entre guillemets. En fait, le mythe du bon sauvage existe avant qu'on ne rencontre la nouveauté du Pacifique. Il y a en particulier déjà le contact avec les Amérindiens. Oui, parce qu'il est passé en Canada. Exactement. C'est-à-dire que la France, la Nouvelle-France, les colonies françaises d'Amérique ont contribué à rendre très, très présente, très actuelle la rencontre avec les Amérindiens. Par exemple, le baron de La Hontan raconte combien ces sauvages du Nouveau Monde ont une dignité, une noblesse, et sont pour lui des partenaires tout à fait dignes de respect. Voilà, et donc il y a déjà, alors que le monde change,
je le disais tout à l'heure, il y a cette conscience malheureuse de la découverte du premier nouveau monde, l'Amérique. Là, on sait qu'on va découvrir un nouveau monde et on ne veut absolument pas commettre les mêmes erreurs de cruauté, de massacre, à grande échelle, de destruction de populations locales. Et puis, surtout, on croit moins peut-être aux valeurs qui avaient été les valeurs motivant les conquistadors. L'Occident commence peut-être à être un petit peu moins sûr de lui-même. Alors le récit produit sur Tahiti passe justement par le truchement de la culture de l'écrit et du regard des Européens dans une société de l'oral. Donc qu'est-ce que ça a donné cette rencontre? Parce que comme vous dites, il y a toute une culture de l'écrit, tout un imaginaire qui fait face à une société où tout est à l'oral. Voilà, en fait, il y a une rencontre dont on n'imagine pas l'étrangeté. Mmh. On est face à des gens qui sont absolument inconnus les uns aux autres. Donc, on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on ne parle pas la même langue. Mmh. Mais au-delà de la difficulté à avoir des mots en commun, enfin on communique essentiellement par geste, en fait on n'a pas du tout le même système de référence. Valeurs. Par exemple, Bougainville vient là, il a besoin de se ravitailler en vivres et en eau. Et il ne réalise pas qu'il est vu par les Polynésiens, où il arrive au moment où on est dans une période de festivité, ou en tout cas marquée par des rituels religieux, en particulier des rituels de partage. Donc on est dans le cadre de la société polynésienne, marquée par une ritualité, c'est vrai, transmise oralement, mais dans un cadre spirituel, dans un cadre à la fois psychologique, social, qui n'est pas celui d'immédiats besoins des Européens en vivres, en denrées fraîches. Oui. On est prêt à partager religieusement, et là on a juste besoin, on a juste besoin très immédiatement d'avoir de quoi à nourrir deux navires, plusieurs centaines d'hommes. Ouais. Et ils sont en plus. Oui, complètement. Et je crois que plus que la différence entre une culture écrite et une culture orale, on est vraiment là au moment du premier contact. En fait, ce qui compte, c'est qu'on ne parle pas du tout de la même chose et deux mondes se rencontrent. Oui. Mais par exemple, la langue tahitienne, ça présente aussi une particularité, une difficulté supplémentaire dans cette incompréhension mutuelle. Ah, évidemment, parce que c'est une langue qui ne ressemble à aucune des langues familières aux Européens. Ouais. Par exemple, pour Bougainville, l'espagnol, il n'a eu aucun problème dans ses escales en Amérique du Sud, au Paraguay, à parler espagnol. Voilà. Il y a des possibilités de truchement, mais là, avec la langue tahitienne, on n'a aucun repère. Enfin, la morphologie est tout à fait différente. En tahitien, par exemple, on n'a plus de pronoms personnels, on a davantage de pronoms personnels qu'en français. D'accord. Dans les langues européennes. Il n'y a pas les mêmes voyelles, Moins de lettres, il n'y a pas les mêmes sons. Ouais. En fait, il y a moins de lettres, d'où en fait, des redondances. Donc, plusieurs fois répéter les mêmes noms, et puis surtout des accents qui sont très difficiles pour les oreilles européennes à saisir. Puis bon, on ne fait pas la différence systématiquement entre le masculin et le féminin. On indique le temps par des adverbes. D'accord. Donc, vous imaginez, par exemple, pour négocier une escale de 15 jours. C'était ce que souhaitait Bougainville. Ouais. Donc, il a fallu négocier avec des gens pour lesquels le passé et l'avenir s'expriment différemment. Ouais. Et donc communiquer par geste, mettre des petits cailloux par terre, sans être sûr de bien savoir ce qu'on faisait. Mais en tout cas, c'est très clair. Il y a une difficulté d'intercompréhension jusqu'au début du 19e siècle. Le premier dictionnaire anglo-tahitien, enfin anglais-tahitien, c'est 1851. Avant,
Il y a la traduction de la Bible par les missionnaires protestants britanniques, hein, qui vraiment attestent du fait qu'on a progressé dans la communication. Mais c'est le début du 19e siècle. Avant, il y a un obstacle très clair du fait d'absence de saisie de cet univers linguistique totalement étranger à l'Europe. Ouais. On arrive à parler quelques mots, on constitue des lexiques, mais c'est très, très sommaire. Ouais. Mais c'est aussi une question de temps et d'imaginaire. Par exemple, dans le Quechua, le passé est devant nous, ouais. et le futur, le présent existe, et le futur, il est derrière. C'est aussi ce différent. Qu'on trouve en... Et je pense qu'en Polynésie, c'était ouais, un peu la même chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce que c'est le taïo ou ami cérémoniel? Parce que le lien qui unit Aotourou et Bougainville, c'est ce lien-là particulier. Oui, c'est un lien assumé par les deux parties et qui implique plusieurs choses. En tout cas, c'est quelque chose qui est attesté dès que les Européens arrivent à Tahiti. Alors, il semble que ce soit quelque chose qu'on retrouve à Madagascar. Mm-hmm. Une pratique qui fait que, voilà, on se reconnaît dans un nouveau venu, qu'on adopte d'une certaine façon, et c'est marqué très, très concrètement par le fait qu'on échange son nom avec lui. Ouais. Si bien que Aotourou se fait appeler désormais Bougainville. Ouais. Sauf qu'en tahitien, on n'a pas du tout la même prononciation, et donc Bougainville, ça ne correspond à aucun son tahitien, donc Bougainville, ça devient Poutaveri. Ouais. Et donc, normalement, on devrait appeler désormais Bougainville Aotourou, de son nom tahitien. Mais désormais, c'est pour ça qu'il y a cette double indication du nom d'Aotourou Poutaveri, parce que c'est le nom qu'il s'est choisi, parce qu'il avait ce lien particulier. C'est une espèce de fraternité choisie. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui se reproduit, qui s'était déjà passé avec les Britanniques, avec Wallis en 1767, qui va se reproduire avec Cook. Donc on appelle ça taïo. Enfin, c'est ce que les Européens comprennent comme taïo, un geste de paix, ou en tout cas la création d'un lien particulier, ce qui fait que, par exemple, on partage avec le taïo la nourriture, mais aussi, comment dirais-je, l'hospitalité de la maison et des épouses. Mm-hmm. Et c'est un partage dans les deux sens. Qui devrait être dans les deux sens. Et c'est peut-être une des raisons qui explique le malaise qui se crée et qui va conduire à raccourcir l'escale qui aurait dû durer 15 jours en 10 petits jours, parce que justement, les Polynésiens ne comprennent pas qu'il n'y ait pas réciprocité dans l'échange, la générosité qui, pour eux, va de soi. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, à Bougainville, il y a besoin de manger, de boire, de restaurer ses marins. Mm-hmm. Et Bougainville arrive aussi dans un contexte particulier de changement de culte, de hiérarchie, d'autorité, du dieu Tané traditionnel au dieu Oro, avec la figure des Aori, dont Aorotu était un de ces membres-là. Voilà, les Aori. Un petit peu plus. Oui. Aotourou, c'est pas n'importe qui non plus. Oui, voilà. Et c'est ce qui, sans doute, l'a conduit à faire ce geste d'aller au-devant de l'inconnu. Ouais. Parce que justement, donc, il appartient. Alors, on appelle ça une secte, mais le vocabulaire européen, le vocabulaire religieux européen est inadapté avec la complexité de la réalité spirituelle de la Polynésie. Donc, en fait, c'est produit un peu comme en Europe à l'époque des Lumières, les références spirituelles changent. C'est produit en Polynésie. Alors, peut-être plutôt du côté du XVIIe siècle, cette mutation religieuse conduisant à la montée en force du culte du dieu Oro, dont
Alors là encore, hein, le vocabulaire est certainement inadapté. Les missionnaires, ou en tout cas les porte-parole, étaient donc cette secte, entre guillemets, d'Ari Hoy, dont Aotourou était un des membres, qui régulièrement faisait des tournées durant lesquelles il donnait des spectacles de danse, de chant, de musique. Ils menaient eux-mêmes une vie totalement différente de ceux du reste de la population, puisque au nom du culte d'Oro, hein, donc ils consacraient leur vie à la force de la vie, à la beauté, à la joie dans toutes ses dimensions. Et en particulier, c'est ce qui faisait que leur spectacle avait une dimension érotique forte et a forcément beaucoup à la fois fasciné et suscité de la part des Européens des interprétations, des lectures, comme on dit, mais voilà, des écritures, dirons-nous, voilà, qui ne sont sans doute pas véritablement en phase avec la manière dont elles étaient perçues du côté polynésien. Les Ari Hoy, c'était pas tous les Polynésiens. Et on n'est pas sûr de bien comprendre toutes les implications. C'était un peu dionysiaque, non? C'était la danse, la... Voilà, sans doute pour les plaisirs. Ouais. Voilà, sans doute pour des Européens et en référence avec la culture européenne, c'est sans doute quelque chose qui en donne une idée. Alors, quand Aotourou arrive enfin de cette traversée à Paris, comment il a vécu ce voyage en France? Quel regard porte-t-il sur la société française de l'époque qui était très, très différente? Oui, ben, on peut imaginer le choc que ça représentait. Il y a presque un an de voyage derrière lui où il a réalisé que ce n'était pas une tournée d'Ari Hoy qui durait quelques mois, mais qui partait pour très, très, très loin. Je pense qu'il est arrivé en ayant eu le sentiment d'approfondir ses liens avec Bougainville, avec les membres de l'équipage, parce que vous en parliez tout à l'heure, la vie à bord, ça ne ment pas. Hein. On a faim, on a soif, il y a les conditions de mer qui ont été vraiment très difficiles. Donc il est arrivé en France avec le sentiment d'avoir déjà fait quelque chose d'assez extraordinaire, très fort. Son courage de Haïto a été mis à l'épreuve. Il a mis sa joie et sa... Voilà, sa il a contribué justement, enfin par ses talents de musicien, toujours à traduire en chanson, en créole Tahiti, hein, ce qui se passait. Et je pense qu'il arrive en France en se disant que, voilà, peut-être qu'il va rencontrer enfin le pays dont on lui a parlé par geste, mais dont on lui a dit combien il était merveilleux. Donc il arrive sans doute avec une grande attente. Il arrive au mois de mars 1769 et il arrive au moment où le printemps est particulièrement frileux. Et je pense que la première impression qu'il a eue, c'est le froid. Je pense qu'en mer, il avait déjà eu froid. Hein, mais là, c'est vraiment un froid qui dure, puis il est à terre. Et puis, il découvre les routes du royaume. Enfin, la dimension du continent n'a rien à voir avec les dimensions de l'île de Tahiti. Alors, c'est le tour de Tahiti en une semaine. Là, il lui faut plusieurs jours de route pour arriver à Versailles. Puis, il arrive à Versailles, mais il n'est pas reçu par le roi. Puis, il arrive dans la ville de Paris. Alors, imaginez, hein, quelqu'un... Il a découvert déjà la ville, hein, ce que c'est qu'une ville presque européenne à Batavia. Dans les Indes néerlandaises. Mais là, vraiment, il est chez les Franny, et puis il sait que Bougainville est chez lui. Il attend peut-être que ça soit comme quand Bougainville est arrivé à Tahiti, la fête. Or, Bougainville arrive, et il n'arrive pas en héros. Et il a gagné la reconnaissance de l'exploit qu'il a fait avec la réalisation de ce premier tour du monde. Et vous pensez quel type de lien Bougainville et Aotourou ont-ils tissé pendant cette longue traversée, cet espace où ils sont en vase clos, si on pourrait dire ça?
Ben, je pense que là, je pense que le vernis a craqué, que comme c'est souvent le cas en conditions extrêmes, enfin, voilà, on révèle ce qu'on est vraiment. Et je crois que Bougainville, malgré son arrivisme, son ambition, voilà, c'était un sacré bonhomme. Et de la même façon, Autouroux a dû quelque part percevoir le fait que voilà, ce n'était pas purement formel, ce lien de Taillot. Et je pense qu'en plus, déjà Bougainville, dans son expérience au Canada, avait déjà voilà, se rapprocher d'Amérindiens. Enfin, il raconte qu'il avait déjà été adopté par les Amérindiens. Une famille Iroquois, je crois. Voilà, exactement. Au Sault Saint-Louis. Donc, il écrit, il en parle un peu ironiquement, mais je crois qu'avec Autrou, il s'est passé autre chose. Et d'autant plus que. Il avait un frère aîné, Jean-Pierre, qui était voilà, un grand érudit. C'est lui qui, je pense, donc son frère mort récemment, qui lui avait parlé du Pacifique. Je pense que quelque part, il y a peut-être personnellement voilà, les conditions. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de fort et de réel. C'est pas forcément que... Ça a été une relation heureuse et véritablement égalitaire. Bougainville a laissé tomber Autouroux. Oui. Mais bon, il était aussi soumis à des fortes pressions en arrivant en France. Exactement. Alors, c'est qui de l'écho du voyage de Bougainville en France? Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée de Bougainville en France? Est-ce qu'il a la réception qu'il attend, la publication du livre, du voyage. Compte tenu de l'investissement qu'il a fait, enfin, il a financé l'expédition sur sa propre fortune, il attend déjà d'être dédommagé, puis d'être reconnu. En fait, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie des milieux scientifiques de premier plan, des salons littéraires de premier plan. Donc voilà, il ne s'est pas reçu en héros. Voilà, si quelqu'un donne une certaine hauteur, une certaine qualité savante à son voyage, c'est Philibert Commerson. Donc voilà, qui est le frais scientifique de l'expédition. Lui, c'est quelqu'un qui est un mondain. Et ça, son premier travail, ça va être de présenter Autouroux au roi. Mais voilà, la présentation au roi, c'est surtout important quand on est une dame. En fait, la présentation au roi, quand on est un homme, c'est presque une formalité, vous voyez, enfin, voilà, c'est presque mécanique. Donc, Autouroux est reçu à Versailles, mais pas en reconnaissance de ce qu'il est. C'est le premier Polynésien à venir en Europe. Et voilà, enfin, sa réception à Versailles, bon, on lui fait un costume d'apparat, mais on ne reçoit pas, absolument pas, le représentant d'un autre monde, enfin. Et c'est ça qu'il y a de terrible dans le fait que, enfin, Bougainville, c'est quelqu'un qui a à conquérir une crédibilité. Et justement, ce qui le pousse à faire la version romancée de son voyage, c'est que, justement, son dédommagement traîne auprès du ministère. Ses appuis ministériels ont changé dans la mesure où Choiseul, le ministre, est disgracié. C'est la montée en puissance du clan de la nouvelle favorite, la du Barry, qui a vraiment une autre option en matière de politique étrangère. Donc, écrire une version romancée de son voyage, c'est un moyen, voilà, d'obtenir une reconnaissance. Mais il n'a pas cette reconnaissance. En fait, le drame, c'est que la publication de ce livre qui est certainement un succès auprès du grand public, mais un succès un peu décalé dans le temps, il n'est pas du tout à l'ordre du jour dans les vrais milieux intellectuels. Mais le voyage autour du monde, qui est publié finalement en 1771, fait preuve d'une justesse et d'une qualité d'observation au sujet des Polynésiens. On se demande si cette connaissance, c'est aussi un apport d'Autouroux à Bougainville pour ce détail, pour cette précision.
Certainement, certainement. Enfin, il faut une lecture fine en comparaison du journal de navigation, enfin du journal de bord, et puis du récit du voyage. Mm-hmm. Mais c'est indéniable qu'on assiste à un changement de point de vue. Par exemple, il y a un enthousiasme dans le journal de bord qu'on retrouve un petit peu plus nuancé dans justement l'évocation du fait que ce monde de la nouvelle Cythère, c'est aussi un monde où il y a la guerre. Et ça, certainement, Bougainville l'a appris à Aotourou, et même si on ne communique que par geste, en fait, je pense que Aotourou, en tant qu'Arihoï, avait une formation de mime. Et je pense qu'il était capable de dire beaucoup de choses par son corps. Et on en a des témoignages par ailleurs. Enfin, des témoignages de gens qui l'ont rencontré en Europe. Mais en idéalisant Tahiti, cette nouvelle Cythère, Bougainville ont fait pour longtemps un objet de rêve et de fantasme pour l'Europe. Enfin, à partir de cet ouvrage, c'est toute une mythologie qui se fait. Certainement, mais là encore, avec un décalage, et trop souvent, on raccourcit le temps. En fait, le succès du voyage de Bougainville, c'est un succès auprès du grand public et qui est diffusé dans le temps. Et sur le moment, il n'y a pas véritablement un changement, il n'y a pas véritablement un avant et un après Bougainville. Mmh. Par exemple, ce qui compte beaucoup dans l'idéalisation de Tahiti, c'est le supplément au voyage de Bougainville qu'écrit Diderot. Mmh. Mais pourquoi il écrit ce texte? Parce que le compte rendu qu'on lui avait demandé du voyage de Bougainville, on ne juge pas digne d'être publié dans les journaux, enfin les publications reçues. Et donc il écrit ce texte, mais ce texte, en fait, c'est un texte qui n'est diffusé qu'à partir de la fin des années 1790, donc au moment de la Révolution, et puis surtout qui devient un texte de référence abusivement sur Tahiti. Diderot n'est jamais allé à Tahiti, et ce qu'il raconte de la liberté des mœurs de Tahiti, enfin, c'est totalement différent de la réalité constatée. Et donc, il y a cet effet de décalage. Et puis surtout, il y a le fait qu'au XVIIIe siècle, on lit beaucoup. Mais on lit, en fait, des ouvrages qui sont des résumés ou des réécritures. Les colporteurs diffusent, en fait, des résumés ou des textes qui sont des versions plus radicales, plus sensationnelles de livres. Oui. Et je pense que c'est la façon dont il y a eu une assimilation à la fois entre l'idéalisation de Tahiti, le mythe du bon sauvage. Et en fait, il y a eu des effets de décalage. Et je pense que il faut se garder de considérer, et c'est ce qui fait le drame d'Aotourou, c'est qu'on n'a pas réalisé sur le moment qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel, et que Aotourou avait été le porteur, le représentant de quelque chose qui était inouï. Vous dites que Aotourou est devenu une figure de référence et un élément de la culture littéraire française. C'est dans ce sens-là? En fait, c'est justement par ce jeu de miroir. En fait, Aotourou fait un geste qui est répercuté en écho dans beaucoup de textes. On sait que alors qu'il visite le jardin des plantes, où il y a évidemment une serre avec des espèces tropicales, il trouve un arbre qui est un arbre du Pacifique. Et on pense qu'il s'agissait sans doute d'un plan d'arbre à pain, le ourou, qui est vraiment très fort dans la réalité quotidienne, alimentaire et en même temps symbolique de la Polynésie. Et en fait, lui, qu'on ne comprend pas, qui parle très, très approximativement, très, très peu le français, et qu'on ne comprend pas, il va étreindre cet arbre en pleurant. Et c'est un geste qui est rapporté par un auteur à succès de l'époque.
mais qu'on voit répercuter dans des lettres, dans d'autres textes. De la même façon, Bougainville raconte comment, ben, au moment où Autourou part, et c'est Autourou qui a demandé à partir hein, avec Bougainville, une jeune femme vient en pirogue pour lui dire au revoir. Et manifestement, elle a beaucoup de, il y a de beaucoup chagrin. De tendresse entre Autourou et elle. Il lui donne des perles en souvenir. Oui. Enfin, c'est très tendre. Et donc, la figure de cette jeune femme hein, amoureuse qui voit partir hein, l'homme qu'elle aime. Voilà, c'est là. C'est une figure qu'on retrouve aussi en écho. Et donc, elle est utilisée par voilà, la littérature Victor Hugo. Et de la même façon, enfin. Voilà, de cette façon, on peut dire qu'Autourou est devenu indirectement, hein, en fait, un lieu commun. Et voilà, et l'étonnant, c'est que Napoléon s'est pris pour Autourou. Quand il était encore le jeune Bonaparte, en fait, ben, il s'est retrouvé dans l'extrême geste de nostalgie de ce Polynésien embrassant un arbre. Hein, voilà, ben, Bonaparte, c'était un patriote corse, hein, exilé en France, et puis surtout, ben, voilà, un jeune homme arraché au sien, et quelque part, il était aussi peut-être… Dans un milieu hostile, où il fallait se faire remarquer. Oui, voilà, et oui, en tout cas, on oublie trop hein, cette trace, là encore, indirecte. Et qu'en est-il de la suite des voyages d'exploration dans le Pacifique, à part ce voyage de Bougainville? Eh bien voilà, Autourou a ouvert la voie à la venue en Europe d'autres Polynésiens. Mm-hmm. Là encore, pour Autourou, l'affaire se termine très mal. Il meurt victime de la variole alors qu'il est sur le chemin du retour à Tahiti. Tupaya connaît le même sort. Tupaya, c'est un prêtre, un savant, qui part avec Cook au cours de du premier voyage de Cook dans le Pacifique. Lui meurt à l'escale de Batavia. C'est terrible parce que ben, lui est plus doué visiblement pour les langues. Il apprend un peu d'anglais, mais surtout voilà, grande portée, enfin grande auteur intellectuel. Hein. Il apprend même à dessiner à l'européenne, hein, pour mieux expliquer les choses. Enfin, bref, il cartographie, il parvient même à faire de la cartographie. Mais bon, ça se termine très rapidement pour lui. Au cours du deuxième voyage de Cook, un Polynésien va passer 2 ans en Angleterre. C'est Omai, pour les Européens, Mai. Et lui, il va revenir, mais voilà, malheureusement, il ne va pas y avoir là non plus la possibilité de transmission, de communication. Ce sont les plus connus, Tupaya et Omai, mais il ne faut pas oublier que les Espagnols ont été aussi présents à Tahiti entre le deuxième et le troisième voyage de Cook. Et que là aussi, hein, il y a eu voyage de Tahitiens au Pérou et ensuite retour. Et en tout cas, c'est une histoire tragique parce que, oui, voilà, des mondes sont en contact mais ne se rencontrent pas. Et Bougainville effectuait d'autres voyages, notamment au Canada, aux Malouines, aux Samoa, aux Tuamotu. À Vanuatu, est-ce qu'il a développé d'autres relations comme celles qu'il a entretenues avec Autourou? Ben non, parce que Autourou a imposé sa présence sur le navire. D'accord. Hein, et Bougainville n'a pas su dire non. Et puis, voilà, enfin, le départ à Tahiti est un petit peu précipité dans un contexte difficile à la fois nautique. Et puis, voilà, un Tahitien avait été tué d'une arme à feu.
Voilà, le chef Poutaha qui aurait pu rendre tout à fait différents les liens entre Bougainville et les Tahitiens. Enfin, c'est retiré après cet incident. Non, en fait, oui, Bougainville, il y a eu une espèce de côté exceptionnel de cette relation. Oui. Mais je crois parce que c'était Aoutourou, ouais, parce que c'était Bougainville, pour reprendre une expression une bien connue. Mais en tout cas, on n'a pas d'image d'Aoutourou. Oui. On n'a aucun portrait de lui. Bernardin de Saint-Pierre a laissé des notes où il le décrit un peu. Mm-hmm. On dit qu'il n'était pas beau. Oui, c'est ce qui voilà. me paraît. Et bien. Donc, voilà, certainement c'était quelqu'un d'assez musclé, avec un teint mat, à une époque où en Europe, on valorisait les silhouettes plus fines et puis les peaux très blanches. Mm-hmm. Il a peut-être souffert du voyage, enfin il avait les jambes peut-être un peu déformées, peut-être le scorbut. Voilà, moi je me dis. Et peut-être aussi le fait qu'il était assez. Sans expression, entre guillemets, assez digne. Il ne se prêtait pas à ce qu'on attendait de lui. Peut-être. Peut-être cette tristesse aussi qu'il avait en lui. On peut penser qu'il a été victime de dépression. Oui. Hein, et d'autant plus que, alors qu'il séjourne en France, à partir du mois d'août 1769, une comète apparaît dans le ciel de Paris. Alors que bon, c'est un été qui est particulièrement froid, pluvieux, c'est pas un été solaire, éclatant. Voilà, il y a cette comète, et semble-t-il pour les Polynésiens, les comètes sont porteuses de des grands signes troubles. Maléfiques. Là encore, hein, il faut être très prudent, on n'est pas sûr de bien comprendre. Mais en tout cas, c'était un signe. Mm-hmm. Et en tout cas, pour autant qu'on puisse l'apprendre, Aoutourou, la fin de son séjour est triste. Mmh. Ben, merci beaucoup pour votre présence. Vous nous avez fait aimer Aoutourou à travers votre livre. C'est important. Voilà, essayez de faire l'impossible. Exactement. Merci beaucoup.